Et aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Monsieur Pierre Hermé, célèbre pâtissier, pour ne pas dire le plus célèbre, à la fois créateur de macarons extraordinaires au sens propre du terme, d'un gâteau qui est mon préféré, le mien nommé Ispahan, à base de rose, et puis d'une saveur aussi nommée Satine, cream cheese, orange et fruits de la passion, dont un livre est sorti donc au mois d'octobre, un livre de recettes à base justement de cette saveur. Bonjour Monsieur Pierre Hermé, merci d'être Bonjour. Avec nous. Merci d'être ici. Aujourd'hui, en ce jour de réveillon. Alors justement, qu'est-ce que vous faites, vous, ce soir? Qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous allez être en cuisine? Est-ce que vous occupez du dessert? Ah, je m'occupe du dessert. En tout cas, je m'occupe de le ramener de la boutique Pierre Hermé jusqu'à la maison. Ce soir, une idée de ce que vous allez ramener sur la table? Ah oui, la bûche glacée façon omelette norvégienne, hommage. Oh là, je l'ai vu ça sur votre site, ça a l'air juste incroyable. Oui, j'adore la poire, j'adore le marron et l'association fonctionne super bien. Vous allez la flamber après sur la table? Et bien sûr. Spectacle, Noël oblige. J'ai une question, est-ce qu'on peut venir? Mais juste pour le dessert. Je pense qu'il reste encore deux places. Ah, c'est super, deux parts, ça va. Moi, pas la peine d'être assise. Monsieur Hermé, vous êtes d'Alsace, vous êtes originaire d'Alsace. C'est d'ailleurs là-bas où vous avez donc, c'est pas délocalisé, mais c'est là où vous avez mis vos ateliers, en fait. C'est bien ça, on est d'accord? Oui, en fait, les pâtisseries sont fabriquées derrière les deux boutiques dans lesquelles il y a de la pâtisserie à Paris, rue de Vaugirard, rue Bonaparte. Mm-hmm. Mais les macarons sont fabriqués dans ma région natale, en Alsace. Et l'Alsace est une région de tradition, et notamment les traditions de Noël, avec des gâteaux comme le Stollen, qui est une espèce de brioche avec des fruits secs et fruits confits, avec les petits sablés de Noël, les bredala, comme on appelle ça chez moi. Et puis, bien sûr, y a un gâteau qu'on appelle le beravec, qui est une espèce de pain à base de poire, qui est un peu un pain aux fruits, essentiellement des fruits, et les pains d'épices décorés avec des images, et tout ça, comme on les faisait dans le temps. C'est ça la tradition de Noël en Alsace. Ça se passait comme ça, vos Noëls à vous, justement? Et oui, mes Noëls à moi, c'était... Mes parents avaient une boulangerie-pâtisserie, donc mes Noëls à moi, c'était rythmé par les gâteaux, par les pâtisseries, et j'avais le droit d'aller donner un coup de main à mon père, à poser des lutins sur les bûches, à poser des scies en plastique ou des champignons sur les bûches. C'est de là que vient vos inspirations? C'est de là, en tout cas, que vient mon envie de faire ce métier, ma vocation de devenir pâtissier. Vous avez commencé à l'âge de 14 ans? Oui, alors j'ai eu cette chance de venir à 14 ans à Paris pour apprendre mon métier auprès de Gaston Lenôtre. Et c'est ce qui a forgé ma passion, ma connaissance, ma culture du métier. Ouais. C'est comme une nécessité ou parce que vous n'avez connu que ça avec vos parents? Une envie, parce que je voyais mon père qui faisait son métier avec passion. Il était heureux, il travaillait beaucoup, mais il était super heureux. Comme moi. Monsieur Hermé, c'est clair. Monsieur Hermé, est-ce que vous prenez de l'inspiration de ce que ont justement fabriqué, créé vos parents à l'époque? Vous en retirez quelque chose maintenant? Une base peut-être? Oui, il reste forcément des choses, mais cette expérience d'enfance est enregistrée avec plein... Pardon, cette expérience d'enfance est cumulée avec plein d'autres expériences et... Aujourd'hui, mon expérience, elle vient des ingrédients, comme par exemple pour ce macaron citron caviar, donc le citron caviar qui est un agrume un peu rare et dont la chair croque sous la dent et qui est très agréable dans ce macaron. Mmh. Je confirme, je l'ai goûté. On se demande par exemple si le macaron églantine, figue, foie gras, ça c'est peut-être un petit côté alsacien dans ce macaron, parce que l'Alsace est une des deux grandes régions du foie gras, et puis l'églantine c'est un fruit que j'ai adoré dans les confitures dans mon enfance, et donc c'est certainement ce qui m'a donné envie de faire cette association figue, foie gras, églantine. Alors vous êtes à la différence d'autres pâtissiers vraiment créateurs. Moi, c'est ce que je remarque chez vous, vous êtes créateur de saveurs et de gâteaux vraiment avec des créations originales à l'heure où d'autres revisitent des classiques, ce qui est pas mal. C'est quoi votre touche, la touche Pierre Hermé? C'est ça? C'est vraiment c'est le sens goût. De la création? C'est le goût. Alors quand on dit le goût, c'est à la fois, ça veut dire beaucoup de choses, mais mon travail, c'est à la fois de créer des associations de saveurs, comme celles que vous avez décrites tout à l'heure, ou alors de travailler sur un goût unique et d'essayer de le sublimer. Infiniment mandarine,
infiniment chocolat, infiniment caramel. Ça, ce sont des saveurs uniques que j'essaye de rendre leurs plus belles expressions de manière à faire plaisir. Parce qu'en fait, notre métier de pâtissier, on dit le salé pour se nourrir et le sucré pour le plaisir. Donc, notre métier, c'est de faire plaisir. Et qu'est-ce qui rend justement sublime, par exemple, un macaron, alors ne prenez pas mal ce que je vais dire, mais un macaron au chocolat, qu'est-ce qui le rend sublime? Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans pour que ça soit encore meilleur? Très très bonne question. Alors il y a plein de petits détails. C'est-à-dire, à l'origine, bien sûr, le choix des cacaos qui vont servir à faire le chocolat. Donc celui-ci est un cacao pure origine Brésil, Plantation Paineiras. Donc ça vient d'une plantation, avec un soin très particulier à toutes les étapes de la culture. Ensuite, un soin très particulier à la fabrication du chocolat. Et pour finir, donc, j'ai composé une ganache. Et sur ce macaron, je mets ce même chocolat que j'étale en plaques avec de la fleur de sel. Je le casse en petits morceaux. Et sur chaque macaron, je pose quelques petits grains comme ça de chocolat avec la fleur de sel qui poussent le goût du chocolat, qui donnent une puissance au goût du chocolat. Y a plus qu'à goûter. Hein. Ah bah ouais. Il est fantastique, j'ai goûté hier. Il y a je me permets, le chocolat foie gras aussi que j'ai goûté hier, qui est assez sensationnel. Cette alliance est quand même folle parce qu'on ressent, en fait, finalement, c'est un tout. On sent vraiment chaque ingrédient, bien évidemment, mais ça fait un tout qui est quand même hallucinant. Comment vous arrivez à ça? En fait, l'idée du chocolat et du foie gras, parce que très souvent, on associe des choses sucré au foie gras, donc ça m'a donné envie de travailler le foie gras en sucré. Et puis le chocolat, parce que il y a un équilibre entre les deux qui permet à la fois au chocolat d'exister et au foie gras d'exister. Et ce qu'on ne dit pas vraiment, mais que vous allez goûter, c'est que c'est un chocolat au lait. Du coup, le chocolat n'est pas trop amer et ne prend pas le pas sur le goût du foie gras. Mais c'est un chocolat au lait qui a du caractère parce qu'il a 46% de cacao, donc c'est dans quasiment le max pour un chocolat au lait. Parfait. Et moi, je voulais, par rapport à la bûche infinie en mandarine, comment vous avez eu l'idée de ça? Alors, l'idée, plutôt le produit en fait, c'est l'inspiration, c'est le produit. Le produit, c'est les mandarines de Sicile qu'on importe via un type qui s'appelle Cédric Casanova, la tête dans les olives. Et lui nous permet d'avoir les meilleures mandarines possibles. Et à partir de là, j'ai juste cherché à mettre en valeur le goût de la mandarine. C'est pour ça que je l'appelle infiniment mandarine, parce que j'ai travaillé à la fois l'acidité, l'amertume et le parfum de la mandarine. Vous avez dit que ça irait bien en bûche. Et oui, parce qu'après, il y a une composition avec la pâte sablée, le confit de mandarine. Quand je dis confit de mandarine, ce sont des mandarines entières qui sont cuites avec un peu de sucre. Donc on a de l'amertume, c'est un peu... Ça balance. Ça balance, ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Ça envoie, comme et vous direz puis, l'autre. Une crème à la mandarine qui, elle aussi, a beaucoup de saveurs. Donc, il y a un contraste de texture, de goût, de sensation qui fait que la bûche, elle est juste très bonne. Monsieur Hermé, ce qui est fou, alors moi j'adore la cuisine, on adore goûter, non, bien évidemment, tous les deux, on est des dingues. Mais ce qui est fou, c'est quand on vous écoute, c'est religieux presque. On est obligé de tout entendre, de gober chacun de vos mots, parce que c'est de la poésie en fait, c'est vraiment devenu de la poésie, on n'est plus sur de la pâtisserie entre guillemets comme on a pu la connaître. C'est du goût, hein, j'essaye d'exprimer ce que je fais, mais de manière le plus simple possible. Mais quelle est l'inspiration? Parce que le produit, en tout cas, ça on en a bien conscience, mais sinon... Le jour le jour. Sinon, c'est souvent les produits. Ça peut être aussi une conversation avec quelqu'un, avec vous par exemple, où on parle d'un truc. Je sais pas, il y a quelques années, une amie m'avait parlé de loukoum et du coup, ça a rebondi et ça m'a donné envie de travailler le loukoum dans un dessert. Ça peut être une image, ça peut être une odeur, une photo, une émotion, une sensation. Ouais, une émotion. Ouais. Donc les sources d'inspiration, elles sont super super variées.
Donc c'est de l'art, en fait. C'est comme le disait Vincent, c'est de la pâtisserie, c'est de l'art. Alors, le pâtissier, le métier de pâtissier, faire tous les jours les gâteaux, c'est vraiment de l'artisanat. Après, dans la dimension créative, effectivement, il y a une forme. C'est de l'expression personnelle, donc on peut dire qu'il y a une forme d'art. Vous êtes complètement. Vous êtes exporté à Tokyo. Vous avez même des magasins là-bas. Alors, la maison Pierre Hermé Paris est présente dans environ 11 pays, avec 47 ou 48 boutiques, et avec il y a 600 personnes qui travaillent pour la maison. Donc effectivement, on est dans plusieurs pays, principalement la France et le Japon. Si je vous parlais du Japon, c'est parce que généralement les Japonais sont très tatillons, j'allais dire, sur le petit détail. J'ai vu de leur création d'ailleurs, aux Japonais, ils commencent à s'y mettre, également assez costaud. Qu'est-ce qui fait que Pierre Hermé est très très apprécié chez les Japonais d'après vous ? À mon avis, c'est un ensemble de choses. Ce que vous avez parlé tout à l'heure du souci du détail, c'est quelque chose qui est très présent chez nous. Les Japonais apprécient les marques de luxe qui ont une dimension créative, avec tout le temps des nouveautés, tout le temps des choses nouvelles qui les étonnent. Je pense que ça a contribué au luxe, au succès de la maison Pierre Hermé Paris. Mm-hmm. Quel est votre prochain défi, votre prochaine œuvre ? Alors en ce moment, je suis en train de travailler sur un livre assez fou sur le chocolat, un peu le chocolat dans tous ses états. Et alors pour l'instant, le titre provisoire, c'est 365 façons d'aimer le chocolat. Et donc c'est un défi, parce qu'en ce moment on est en train de tourner les images, et avec des choses étonnantes et qui obligent à se remettre en question, à faire différemment. Monsieur Hermé, qu'est-ce que vous attendez pour avoir votre propre émission à la télé, pour qu'on puisse apprendre plein de choses? Franchement, qu'est-ce que vous attendez? Ok. Ça serait génial. Oui. Vous aimeriez faire ça ? En tout cas, j'aime bien partager. Ce livre en est un exemple. Je crois que ça doit être le 17e ou 18e livre que je publie. J'aime partager avec les gens, et j'aime communiquer et échanger des informations. Parce que lorsqu'on partage, on reçoit aussi. Et ça, c'est merveilleux, parce que moi, je peux parler de Satine. Hein, quelqu'un me dit, mais oui, mais moi, j'ai déjà goûté le fruit de la passion avec autre chose. Et puis, du coup, ça peut être un point de départ pour une idée. Très bien. Merci mille fois. Vous venez quand vous voulez, ici. Ah ouais. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut dire 3 heures. Avec un accueil aussi sympathique et généreux. Merci. Ça fait du bien, merci en tout cas. Merci beaucoup, merci monsieur. Merci surtout d'être venu. Oui. Voilà, ce jour de réveillon, c'est vraiment super. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, monsieur.